d'anatomie pathologique du laborantin, كتاب صادر عن ديوان المطبوعة الجامعية لكاتبته البروفيسور خيرة كلام. إلى جانب كون الكاتبة أستاذة بجامعة الجزائر واحد، فهي تشغل أيضا منصب رئيسة مصلحة التشريح وعلم الخلايا المرضي بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي. يعد هذا الكتاب كمصدر أو كقاعدة لكل من يود معرفة أسس ومبادئ التي يقوم عليها التشريح المرضي. C'est une idée qui est très ancienne. Je travaille beaucoup avec les techniciens et je suis dans la participation de la formation des paramédicaux depuis plus de 12 ans. Donc, et je suis à l'origine de cette formation en anapath des techniciens à l'école supérieure paramédicale. Donc l'idée m'est venue parce que j'ai vu que l'examen anapath, c'est un examen qui est très très important. La technique, elle fait la moitié du diagnostic. Il faut que ça soit bien techniqué, que les lames soient bien faites pour qu'on puisse répondre et faire un diagnostic fiable sans se tromper. J'ai préféré commencer par une partie qui est abréviation, c'est-à-dire j'ai mis toutes les abréviations utilisées en médecine. Deuxième partie, ça concerne le laboratoire d'anapath. J'explique tout ce qui est laboratoire, depuis sa conception, sa construction, jusqu'aux différentes étapes de technique. Et la troisième partie, j'ai préféré rajouter cette troisième partie, qui est une partie de lexique, qui est très importante. C'est pour donner une brève définition de toutes les pathologies les plus courantes. Quoi de plus cher que la santé? Et en principe, tout ce qui fait appel à la santé doit interpeller le citoyen et tout citoyen. Donc c'est un livre qui est très très facile à lire et qui apporte énormément d'informations aussi bien au personnel paramédical, médical et même aux citoyens. Parce qu'on lui enlève un prélèvement, il faut qu'il sache les conditions pour que l'examen anapath soit bien fait. Et par quelle technique, par quelle étape passe son prélèvement. Comme ça, il fait très attention à ce qu'on lui enlève et ce qui doit être analysé. Ce n'est qu'un début et que je vais me mettre à écrire. J'atteins l'âge d'écrire et j'ai, je suppose, l'expérience pour écrire. Donc, je ne vais pas dévoiler sur tout ce que je vais faire, mais je vais écrire des livres concernant, par exemple, la pathologie rénale en anapath, puisque je m'occupe de la pathologie rénale. Je vais rédiger un autre écrit pour le laborantin pour attirer l'attention sur toutes les erreurs qu'il peut faire et pour essayer de corriger toutes les erreurs qu'on peut commettre dans les étapes de technique. Et je vais faire aussi un livre d'anatomie pathologique générale pour les étudiants de troisième année.